Voice Radio 103.0 FM. Voilà, je veux donner la parole à Pasto qui nous revient depuis Paris, la France. Hein. Pasto, bonsoir. Pasto, bonsoir. Pasto, bonsoir. Il est en ligne, non? Pasto, bonsoir. Bonsoir, président. Je crois que tu as suivi. J'étais en train de faire un petit cocktail Molotov à votre Ayolo, qui est un prédateur. Tout ça zumute. Ses amis ont honte ce soir de savoir que c'est Ayolo qui manipule le football. Le chef de l'État n'est pas au courant que tous les gens que vous voyez là, Ayolo les a pris à contre-pied. Bon, donc on va faire ceci. Contre les rubis et ongles, hein, rien ne passe là sans que le gombo ne tombe. Je vous rappelle ça. Alors, aujourd'hui, on tente de vouloir menacer les jeunes pour dire non, ne faites pas le travail républicain. Tu as la parole. C'est un membre du comité central. Hein. C'est un homme très spirituel. Pasto, depuis la France, il va vous dire ce qu'il pense. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir tout le monde entier. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu créa l'homme. Et l'homme avait tous ses sens. Que les uns et les autres doivent savoir que peu importe ce que vous allez gagner, ce que vous allez amasser, votre groupe ne vous laissera pas tranquille. Donc, l'ego, si vous comprenez l'ego de chaque humain, devait développer l'amour. Mais tout ce qui entre dans le vol, dans la prédation, sachez que leur âme ne sera jamais laissée. Ils seront toujours, leur âme sera toujours en train de voler. Ils seront toujours dévolus jusqu'à leur mort. Parce que le plus souffre. À quoi nous sert donc amasser. Et après laisser tout ça. Donc, pour tous ces gens-là, je ne sais pas si tu trouves le sommet dans la nuit. Parce que tant que tu fais du mal au pauvre, tant que une mission que le chef d'État t'a confiée avec amour, tu ne viens pas à gérer cette mission dans cet amour comme il se doit, tu utilises ton ego, il faut tout ramasser, il faut voler. Alors que dans les hôpitaux, l'hôpital même de ton village, on ne parvient pas à acheter une kiné. On ne parvient pas à soigner une plaie, une blessure. Les enfants ne vont pas à l'école. Et ces gens-là ont toujours l'ego de vol. L'ego du vol. Voice Radio 103.0 FM. C'est un territoire qui est parfois médiocre. Parce que la fin de cette histoire, beaucoup finissent dans les églises, devant les prêtres, les pasteurs. Est-ce que c'est cette école qu'on passe à nos enfants même qui sont dans les maisons, quelle image, quelles sont les bonnes? On ne se moque pas de Dieu. On se moque de Dieu. Parce que quand quelqu'un vient à une mission de gérer un mystère, une entreprise, ça veut dire que là, un rôle
sa partition à jouer le site de ce pays. Un autre, quand il vit son ego parce qu'il veut se remplir les poches, ils ne pourront jamais se rassasier, ces gens-là. Ils ont toujours l'ego du vol jusqu'à leur mort. Même leur cadavre risque d'être volé aussi. Non. C'est déplorable. Ce Cameroun va changer. Parce que ce que le Parti républicain fait aujourd'hui, dénoncer, dire la réalité au Camerounais, ça veut dire que ce changement est en train d'être déroulé. Demain matin, certains Camerounais n'iront pas à l'école. Certains enfants n'iront pas à l'école. Est-ce que ces gens qui ont le goût du vol vont voir ces enfants rester à la maison? Est-ce que ces gens-là trouvent le sommeil dans la nuit, le sommeil? Quand quelqu'un a l'ego du vol dans son âme, il s'en fout des autres. Mais il ne peut plus tuer cet ego du vol. Parce que c'est leur... Voice Radio 103.0 FM. Mais... si l'on ne mourrait pas, j'allais dire que il n'y a pas de changement dans notre pays. Chaque chose a un temps. Et le temps est arrivé pour que ces gens-là se confessent. Et le peuple. Qu'ils essayent même les derniers instants, les dernières heures de leur mission, le chef d'État leur avait assigné le fait de faire le travail. Même malheur à celui qui restait avec son ego, la fin sera catastrophique. Merci président. Bien, on va en parler. Je vais traverser du côté de la Centrafrique. Je veux dire simplement aux très grands journalistes politiques du côté de la Centrafrique que nous sommes tous les gars et ton travail est bien fait. Il est le directeur de publication d'un journal qui a pignon sur rue, un journal politique et pluraliste. Et naturellement, ce journal s'appelle Les Collines de Lubangui du côté de la RCA. Dans les taux prochains jours, vous aurez des interventions qui viendront du côté de la RCA parce que vous savez, on a une représentativité politique de ce côté. Et moi, je vous renvoyerai au kiosque, naturellement. Que vous allez lire hein. Des articles, parmi les articles, l'envol du Cameroun auprès de Paul Biya, Georges Hubert Baola, proactif. Vous comprenez que les gens, quand vous posez des actes et vous travaillez, la République vous est reconnaissante. Et je voulais dire à Bambou que c'est une surprise qui me va tout droit au cœur parce que ça n'a pas été une consultation. Il a fait ses recherches et puis voilà. Donc, ceux qui disent qu'ils maîtrisent Bangui, je crois qu'ils ne maîtrisent pas. Je voulais dire à toutes les autorités de ce côté, un bonsoir, naturellement, fraternellement. Donc, on ne peut pas éluder le fait que il y a un certain nombre de prédateurs qui sont consentants et qui veulent bien détruire notre République et ça ne va pas se passer. Il y a un certain nombre d'alligators qui pensent qu'ils vont poser des actes à travers les réseaux sociaux en appel de détresse pour dire aux gens il faut aller déstabiliser le Cameroun, ça ne marchera pas. Parce que nous ne sommes pas, comme on dit souvent, sous le numéro indicatif de la déstabilisation. On aime bien la paix
et les Camerounais sont responsables. Et je voulais dire à ceux qui sont en train de faire quelques babouses d'arrêter très vite parce que vous avez tous les Camerounais contre vous et contre votre dos. Il faut faire attention. Il est question simplement de s'arranger à être plus régulier. Et je voulais dire à Vondo Ayolo, il faut la boucler parce que nous avons toutes les semences et tout ce que tu fais, c'est parfait dans les armoiries du Parti Républicain. On voulait te montrer ta complicité, ta verdure vis-à-vis des arts étatiques. Aujourd'hui, il est établi que tu es un homme des paradis fiscaux et tu poses un certain nombre d'actes. Tu vas jusqu'à mettre en mal le football camerounais. C'est toi qui recrutes déjà ceux qui doivent. Et c'est pour cela. Moi, je me suis dit, il y a des choses que si je lis, tes messages que tu as envoyés à Eto'o pour tel joueur ou tel joueur, je ne veux pas le faire ça ici maintenant. Je ne suis pas là pour séparer. J'ai du respect pour la République et allons d'abord au Qatar. Quand on va rentrer, on va faire l'état de Dieu. Et désormais, tes amis que tu as voulu pencher sur la 103 FM, il faut les dire plus jamais. Toi-même, il faut les dire. Parce que si tu es incapable, toi-même, de te plaindre, tu ne peux pas utiliser les institutions qui sont là pour œuvrer pour la bienfaisance d'une profession. Il faut faire attention. Il y a des choses qui ne peuvent pas être dites aujourd'hui parce que si on le dit là maintenant, ça peut créer des choses terribles. Tu as fait des très, très mauvaises choses. Le projet de 14 milliards là, je sais que c'est toi et je sais comment tu as fait avec Eto'o. Je sais même qui a motivé Eto'o, parmi lesquels toi l'auteur. Il faut faire attention parce que vous avez voulu influencer le Premier ministre. Le Premier ministre a reçu alors les ordres directement du chef de l'État. Vous avez vu alors comment est-ce que les choses se passent. Vous avez voulu le mettre en minorité. On a dit non. Il va gérer. Et il va gérer. Et ceux qui vont aller au Qatar et ceux qui doivent encadrer l'équipe nationale. Et je voulais te dire, et tôt, il faut savoir quitter les choses avant que ces choses ne quittent. Moi, je te dis encore, fais attention. Parce que la République est très compliquée. Et si tu vas à gauche, comment c'est que tu es avec ton parrain? Donc, je voulais dire ton conseiller ou bien ton patron. Parce que ton parrain, c'est qui? L'autre, c'est ton patron. Ayolo, il faut faire attention. Je voulais dire au président de la République que cette dédicace spéciale, c'était pour nous, qu'on puisse mettre la pédale. Parce que nous allons commencer à penser à quitter le micro, parce que c'est une émission spéciale, c'était pour dire à Ayolo, ferme ta bouche. Hein? Ferme ta bouche, tu n'as rien du tout à dire. Non, ne dis pas ferme la gueule, ferme ta bouche. Parce que si tu pousses le bouchon, on va pousser le bouchon. Et nous respectons les règles. Et tous les dossiers dont nous parlons ici, le chef d'État a déjà ça sur sa table. Donc, si tu as des problèmes à régler, va régler tes problèmes là-bas. Et les enfants ici ont les yeux dressés parce que les cheveux dressés, ils disent que... Bon, je ne vais pas te dire ce qu'ils ont dit. Surtout à Teba avec sa caméra, elle a dit qu'il va finir encore un genre. Il y a des gens ici qui ont dit qu'ils ne pensent même pas dans ta tête comme ça. Voilà l'humiliation aujourd'hui. Ton épouse n'est pas au Cameroun, tu dis que tu n'as rien fait. Voilà les histoires de football sort. Il y a même des histoires assez compliquées qui sont en train de sortir. Quand tu dis que Oufoumou, le docteur Andy, on a dit qu'ils sont morts, on te pose la question que qu'est-ce qui les a tués? C'est tout. Tu ne te reconnais pas là-dedans, non? Pourquoi tu t'accuses seul? Mais bizarrement, ils sont morts à une période conjointe. Et c'était tes meilleurs amis, hein? Tu partageais les repas et tout. C'était tes meilleurs amis. Alors on dit que les gens sont morts, on interpelle Mbargambois, tu trouves que c'est mauvais. On interpelle la famille et son bas, tu trouves que c'est mauvais. Il ne faut pas que les gens parlent, on ne va pas parler que tu es qui ou nous. Non, mais vraiment, il ne faut pas raconter n'importe quoi.
Hein? Donc, voilà les comportements que je dis qui ne sont pas des comportements de société. Il est question ici de mettre de l'ordre. Et pour mettre de l'ordre, pour mettre de l'ordre, il est question de préétablir un certain nombre de comportements. Donc, chers amis, ceux qui ont pensé qu'il sera président de la République, il ne le sera jamais. Et alors, quand tu vas pousser le bouchon, on va te dire ce qui s'est passé au Gabon. Et on va te donner la liste de tous les Gabonais que tu as fait venir ici. Là où tu les as logés. Et tu vas dire au chef de l'État si c'était tes cousins de Moussok. Il faut éviter souvent un certain nombre de comportements. Hein. Quand on est adulte, on ne fait pas dans la fanfaronnade. On ne fait pas dans la fanfaronnade. Et ceux dont tu as poussé là, je vais sortir leur CV ici. Rassurez-vous, le jeune de Voice Radio, je suis sous cap, je protège vos intérêts, que quelqu'un vienne et va me trouver en face. Comme vous avez osé penser seulement, je veux présenter vos CV ici. Malheur si quelqu'un a volé même une noix de coco quelque part. Je vais venir seulement et dire que voici les preuves. Vous ne dépassez pas le monde entier. Il faut respecter l'État. Jusque tous les amis d'ailleurs. Tu es un prédateur. Voula est ton agent commercial. Est-ce que tu comprends? Jobet, je te dis, tu n'es rien. Ce que tu crois être là, tu n'es rien. Mon père te connaît. Continue, tu vas voir. Continue à mentir, vous allez voir. La colère d'un vieux est mauvaise, hein? Oh, mes cheveux sont là. Ça blanchit, là, je sais ce que j'ai dit. Plus ça blanchit, plus la sagesse est là. Arrête ça! Le bluff, là, arrête ça! Entre le Gabon et Yaoundé, ça doit s'arrêter. Et ceux qui pensent qu'ils te protègent sont là sur la table. C'est-à-dire, non? Quand je vous dis mes choses, vous pensez que je rigole. C'était une émission spéciale dédicacée au couple présidentiel. Paul et Chantal Biya, le chef de l'État, le président de la République, le couple qui se porte au mieux, malgré les instigateurs et les flottistes, j'appelle ça les flottistes, gens qui pensent qu'ils sont des malins. Je sais que j'ai parlé des Sian, ça a réveillé les amis des autres. On a eu même une visite insolite, parce que vous savez, insolite dans le studio, vous ne donnerez pas le nom, parce qu'apparemment, le chargé de communication a très vite contacté l'autre chargé de communication. Et Sian est très mal à l'aise. Faut oublier ces choses-là. Le trafic d'influents, les machins. Quand vous voyez un papa qui dit que je vais aller au village, il sait comment il va aller au village. Et il vous a dit, quand le temps va arriver, je vais vous dire, il va balayer, et il est en train de balayer. Personne parmi vous ne va s'en sortir. C'est moi qui vous dis. Vous n'allez pas vous en sortir. Et quand vous voyez la grande muette, c'était là, les gars ont les rapports. Toujours on va dire, arrêtez-les. Tu vas voir un gars sortir, te dit, gars, on buvait ensemble. Je suis venu te chercher. C'est pas grave. Tu m'as promis des choses, mais je ne savais pas ce que tu étais. Donc c'est un peu ça. Donc il faut éviter d'aller dans ces élans. Si tu poses la question aujourd'hui à Amour Beninga, il va te dire que j'ai vu des choses compliquées. Maintenant, quand il passe au gars, il dit, garde-moi la voiture là, tu parles de quoi? Et de, les hommes là, posez-moi ça. Les histoires qui. Tu es qui? Prime. Regarde les trucs là. Regarde le ciel, il dit que.
C'est pas possible. Voilà, c'est ça la réalité. Tu marchais avec les gyrophares. C'est où encore? Maintenant, les gyrophares sont finis. C'est comme ça. On te remet juste en selle, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Bien, si vous avez des inscriptions à faire à Issam, il faut faire attention parce que Issam n'a pas un recteur. Il a plutôt un caissier. Et la main-d'œuvre des professeurs n'est pas payée là-bas. Parce que j'ai une plainte que je vais lire pas aujourd'hui. Et certains professeurs qui sont quittés là-bas. Et on les a menacés que s'ils parlaient même, on devait les jeter en cellule. Ça, c'est pas bon. Et les salaires n'ont pas été payés. Ils ont transmis le savoir. Mais maintenant, pour les remercier, et on leur a dit, si vous testez, vous allez voir. À Mokoulou, je lui demande de rompre le contrat avec Vision Finance et tout contact avec la télévision Vision 4 et son promoteur. Parce que ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Celui qui t'a dit là que il parle à l'oreille du chef de l'État, il te raconte des histoires. Alors, il ne parle pas dans l'oreille du chef de l'État. Le chef de l'État n'a plus besoin d'avoir à côté de lui un prédateur de cette espèce-là. Je sais que je suis en train de gâter les gars. Maintenant, il ne peut plus écrire même une lettre de recommandation. Quand il passe au cabinet, les gars entrent sous plan, chacun est en bas, là, sous cap. Chacun plonge en bas. Il demande qu'est-ce que vous voulez. Oh, non, il dit que non, patron, on était en train de nous gratter les pieds. Alors, je t'avais dit non. Que cette histoire, ça va te dépasser. Ça va te dépasser. Tu as dit que tu es un paravent de la femme, la première dame. Tu as dit que c'est la première dame qui t'envoie faire les courses, toi et ton épouse. C'est des conneries, tu racontes n'importe quoi. Bon, quand tu prends les CV des gens, tu hypothèques. Est-ce que tu as dit à la première dame et son mari que je fais aussi les recrutements au sein de l'équipe nationale? Tu veux que je dise comment tu fonctionnes avec toi? Je ne peux pas ce soir. J'attends quand nous allons finir avec le Qatar. Je vais te montrer le feu du côté du football. Maintenant, tes chèques et tous les pensions que tu as fait, que ce soit du côté de Paris, que ce soit ici, je vais te sortir un. Ce soir, c'était pour te dire que tu as parlé si bas. Tu as dit des choses et dit ok, on va lui sortir d'abord. On appelle ça le régalien, que tu restes calme. Que tu saches que vraiment, il faut fermer sa bouche. Donc c'est un peu ça. Alors on dit que tu bénéficies du décret. Tu peux, même si tu écris une lettre de recommandation à un chef de bureau maintenant, tu vas poser d'abord. Attendez d'abord. Vraiment, ce monsieur, même à Théba, même là, il va te dire que non, ça ne donne pas. Il ne vient pas. Même si tu convoques même un journaliste maintenant au cabinet, il ne vient pas. Parce que les gars savent que tu n'as plus. Les incendies que tu créais partout ne passent plus. C'est fini, non? C'est comme ça. Quand le temps arrive, tout s'arrête. Hein? Je connais beaucoup de tes amis qui ne te fréquentent plus. Même quand tu appelles, il dit, oh, le téléphone là, monsieur, il va encore quoi? Il va encore quoi? C'est ça le problème. Et tu es bien attendu. Du côté de Paris, tu vas répondre à un certain nombre de choses. Je voulais dire à un certain nombre de personnes, qu'est-ce que John Bert dit que c'est lui qui te protège. Il ne te protège pas. C'est le fils aîné du chef de l'État qui te parle. Vous allez voir ce qui va arriver. Vous n'allez rien faire. Vos choses, on connaît tout le couloir là. Je connais là où on fabrique l'échec. Je ne carre pas. Je sais comment ça se passe. Tu n'es ni intervenant dans le gouvernement. Tu n'es ni fonctionnaire. Tu n'es rien du tout. Je te le dis. Je sais pourquoi je te le dis, non? Je te connais depuis des années. Je suis resté, je vous regarde, c'est pas avec le plaisirie. Continuez, non? Tu vas voir ce qui va se passer ces jours-ci. Le père là, il est intelligent. Hein? Là où tu le vois là, il vous regarde, il dit, ah ok, d'accord. C'est une bonne chose. Tu vas, tu fais les gombos et machin, tu représentes Sima.
Parce que derrière ça, Amourou Belinga, Télé Sud, les paradis fiscaux. Donc vous voulez dire alors que le couple présidentiel est bête. Vous, vous êtes des gens, vous connaissez tout. Ok, d'accord. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et alors, tu t'es trompé. Si tu croyais que tu es sur la bonne porte, le chef de l'État est au courant de tout. Je vous dis. Maintenant, tu vas voir alors le nombre de sociétés qu'on va sortir à travers Amourou Belinga. Non, tu peux. Envoie le message à Sian. Je suis en studio ici. Tu crois que ça va me... Ça me perturbe pas, je dis. Il faut lui envoyer le message. Donc, c'est un peu ça. Je peux même donner le nom d'un petit. Malheureusement, il est mort. Moi, je parle de l'histoire des morts et non du mort. À Bessolo, il a créé une radio avec l'argent de la ligne 94. J'espère que je vous mets pas. Parce que je vois les gens qui s'étirent déjà. Votre voice à région 103.0 FM. À Bessolo. Il s'est passé pour être le nouveau chef d'État. Un frappeur de taille. Quand Dieu l'a rappelé, on n'a même pas vu un membre du chef. C'est terrible, hein. Il a pris un peu d'argent au gars et tout. Il dit au gars, vous donnez ça, vous ne vous en avez pas. C'est terrible, hein. Même jusqu'aux caméras, il n'a pas payé à certaines personnes. Voilà. Vous voyez, le pays ici est terrible. Depuis que c'est Galaxy, non? Je ne sais pas si c'est Galaxy. Donc, ça ne souffre d'aucune contestation. Il faudra dire au chargé de la communication de Sian que je suis en route. Je parle un peu, je garde. Attendez, le Qatar finit, non? Vous allez voir comment les Qatariens vont être ici. Attendez, il y a des bonnes choses. Voilà, donc je respecte la République et celui qui incarne les lois, le premier. Nous avons déjà le regard braqué au Qatar, donc nous n'avons pas besoin de nous casser la tête. Et je voulais par devers cela dire au président du Conseil national, cher petit frère, take care. Take care. Tu as l'onction, mais t'es quitte. Easy. Take care. Il y a des choses compliquées dans la République. Les gens viennent souvent, mais ils ne vous disent jamais qu'est-ce qui les motive. Il y a des choses comme ça se passe ce soir-là. Parfois, on garde les choses parce qu'on se dit, bon, on a le temps d'interpeller les concerts. Mais si les gens viennent, on est obligé. Donc c'est simplement ça, c'est le président du Parti républicain qui intervient. Benoît Ancani. Benoît, on va entrer en gare. Tu as quelque chose à dire au public? Benoît? Oui, président. Ouais, si tu as quelque chose à dire, tu dis au revoir au couple présidentiel. Cette émission est une émission spéciale dédicacée au couple présidentiel. On était en train de rassurer au chef de l'État que nous ne faillirons point, mais simplement que le directeur du cabinet civil est un prédateur et nous ne sommes qu'au service de la République, du Parti républicain. Tu as la parole. Je vais dire au CNC qui est placé sous la tutelle du Premier ministre John Ngouté. Faites votre boulot, faites-le équitablement et ne vous laissez pas entraîner par le directeur du cabinet civil qui veut se servir des instruments de la République pour régler ses comptes. C'est pas nous qui l'avons envoyé verser les caisses de la République pour acheter les biens immeubles sur la place parisienne. Je pense que vous avez des services de vérification et que vous ne pouvez pas vous placer en tant que juge pour demander quoi que ce soit.
ces documents, vous voulez les transmettre à Mondoyol, il les a. Avec son Choubet Chafat, son représentant légal. On ne peut pas gérer une société depuis le cabinet civil, je pense. Parce que je crois que M. Mondoyolo a beaucoup de travail aux côtés du chef de l'État pour venir être un vendeur de sommeil. Je ne sais pas quelle nature de biens qu'il a acquis à travers la SCI ou d'autres sociétés encore inconnues. Et quand vous vous attaquez à votre radio, vous avez laissé Equinox. On voit les plateaux tous les jours. Des insultes envers le président de la République. On vous dit de rien. On voit sur Canal 2, on voit sur Info TV, pour ne citer que ceux-là. Parce que je ne parlerai pas des visions voleurs qui viennent voler nos armoiries à Paris. Donc, faites votre travail. Et n'allez pas au-delà. Et restez équitable. Surtout, c'est que M. Mondoyolo n'a aucun respect envers le Premier ministre. Encore moins à la jeunesse. Il combat les jeunes, voilà. Il est ministre directeur du cabinet civil. Il est à sa tête le Premier ministre. Qui a sous sa tutelle le CNC. Respectez la République. Et respectez le peuple camerounais. Respectez le chef de l'État. Que je voulais dire et bonne soirée au peuple camerounais. Nous intervenons dans cette mission politique tous, que ce soit mon collègue Bachi, mon camarade Bachi, mon camarade Pasto, mon camarade appelez-moi le nom de mon camarade intime, j'oublie, et puis le président. Techniciens, nous intervenons au nom du Parti Républicain. Là, je vous parlais de Tambay. Nous intervenons au nom du Parti Républicain. Et que les autres politiques n'ont pas plus de droits que nous. Représentés ou pas dans les assemblées. Respecter les règles de la République. Vous êtes aussi en charge du contrôle des réseaux sociaux. Beaucoup de choses s'y passent. On ne vous entend pas. Faites votre travail. Quand il faut veiller sur l'image du chef de l'État, ça ne leur dit rien. Dénoncez les prédateurs. Parce que c'est dans votre intérêt aussi, l'intérêt de vos familles, de vos enfants, de vos pères, de vos mères. Qui souffre de la corruption qui est le cancer de notre république. Tous rendront gorge, comme a dit le chef de l'État. Je pense que vous suivez les discours du chef de l'État. On est sur la droite ligne de ses propos. Il est le chef de l'État élu par le peuple camerounais. N'oubliez pas ça. Mais tu rendrais l'honneur que membre de l'administration, je dirais même pas fonctionnaire ou haut fonctionnaire, parce qu'il a une pourriture, c'est un voleur. Je lui dis, SIMAS, pas SIMA, vous n'avez même pas eu la peine de modifier l'écriture, vous commettez une faute d'orthographe. Donc, on ne connaît pas la société CIMA, on connaît la SIMAS. C'est vrai qu'au niveau de la prononciation, ça ressort CIMA. Mais allez chercher l'original. Vous avez les moyens de l'État. Et vous allez trouver que ce n'est pas de la diffamation, c'est de la réalité.
la SCI MAS dirigée par Sylvie Bigné, Ayolo et Mondo Ayolo Samuel. Ce n'est pas de la diffamation. Malheureusement, c'est la réalité. Et c'est l'argent des finances publiques. Parce que Mondo Ayolo ne peut pas justifier une telle fortune dans un Cameroun qui a un peu plus de 60 ans d'existence. Qui goudronne tout un village. En ce moment-ci, son frère commissaire Ayolo Yves, c'est lui qui suit les travaux avec Asta. Vous voulez qu'on parle? Il a repris. Il fait le parquet en Liège. Vous connaissez ce qu'on appelle le fer tort en Liège, acheté en Turquie? Vous racontez n'importe quoi. Vas-y, Bémo. Ayolo n'est qu'un agent de l'État. Du coup, il ne bénéficiera plus du décret présidentiel. Il n'est même pas fonctionnaire jusqu'à maintenant. Il est contractuel d'administration. Mais il n'est pas fonctionnaire. On est comme tous les autres. Ce que je dis est vrai. Ayolo est contractuel d'administration. Maintenant, vous voulez nous taire, nous faire taire, vous ne pouvez pas. Bien. Benoît, je veux faire un cadeau à la population et à ceux qui font du bruit et les broutilles. Bien. Mon Ayolo, je veux lire une correspondance, une parmi mille correspondances ou parmi des correspondances que ton voula, Serge Raoul, a fait à l'attention de Paul. De Paul, je veux le dire. Je suis obligé de lire cette correspondance. De Paul Awomo Asumu, DG de l'autorité aéronautique. Cameroun Yaoundé, tu as ces lettres en copie. Madame la directrice générale, si vous ça vous met mal à l'aise, vous sortez. Hein? Vous voir vous attacher les dents. Voilà. Vous avez des amitiés là-bas, vous allez voir Ayolo. On est obligé de dire des choses parce que le chef d'État, c'est une dédicace spéciale ce soir. Il faut que le couple suive comment le DCC se débrouille. Et ses amis qui disent qu'Ayolo est le neveu du chef de l'État, qui pensent que les gens veulent écarter le neveu. De quel neveu ça a été? Mais son n'est pas bon. Madame Paul Awomo Asumu, DG de l'autorité aéronautique camerounaise Yaoundé. Madame la directrice générale, j'ai l'honneur de revenir vers votre haute autorité à la suite de notre échange du 30-03-2020, au cours duquel je vous introduisais brièvement les doléances de la famille Kingé, pour le compte de laquelle... Je dis c'est que la lettre, hein, s'il y a des fautes, tant pis. Pour le compte de laquelle j'ai la modeste mais lourde charge de représenter les intérêts dans une procédure de retrocession régulière. J'ai également le privilège de vous informer de ce que, à l'issue de notre échange, j'ai pris attache avec M. Samuel Vodayolo, directeur du cabinet civil, qui nous a recommandé votre sens de la justice et votre professionnalisme pour mettre un terme à cette longue procédure afin de rendre justice à une famille qui n'a que trop enduré les affres de l'administration. Sur ces recommandations appuyées, je sollicite dans votre bienveillante diligence à l'effet de donner votre accord pour une remise en conformité de la parcelle objet du titre foncier numéro 1898-W de l'État du Cameroun au lieu dit quartier Nouvel Ngangé dans l'arrondissement de Douala deuxième et comptant sur une surface de 7 hectares 59
commencer, oui, bon, je vais recommencer. Une surface de 7 hectares 59 à 64 CA. La dite parcelle s'est malencontreusement retrouvée dans l'enceinte de la clôture de sûreté en grille, érigée par les aéroports du Cameroun. Plan joint. Notre demande de rétrocession qui est en suspense auprès des services du MINCAF est en attente d'un accord d'autorisation de vos services, autorité aéronautique, qui nous permettrait de reculer la clôture à notre charge et toute autre condition bienveillante facilitant la résolution d'un litige qui prive injustement la famille King & Jor de ses droits patrimoniaux. Nous, monsieur Envoula, agent commercial près le tribunal de commerce de Paris, agissant en qualité de mandataire, nous sollicitons dans le cadre de vos pleines prérogatives pour un accord de résolution amiable de la dite affaire en rétrocession. Nous soulignons par ailleurs à la parfaite régularité administrative de notre requête auprès des services ad hoc. À ce titre, votre bienveillante diligence permettrait la finalisation de cette demande de rétrocession. Dans l'attente de votre retour favorable, restant à votre écoute, je vous prie de croire, Madame la directrice de l'autorité aéroportuaire du Cameroun, en l'expression de ma distinguée considération. Très cordialement, Mvula Serge Raoul. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit maintenant. C'est un cadeau que je voulais vous donner. Si vous êtes mal à l'aise, vous partez. Mais pas obligé de rester avec nous. Parce qu'il y a des gens ici qui pleurnichent les larmes, moi, ça me dit absolument rien. Si vous avez des oncles qui sont des prédateurs, tant pis. Mvondo Ayolo fait une recommandation et estime que c'est lui qui a le droit de recours et d'appui sur Madame Paul Avomokwasumu, qui est DG de l'autorité aéronautique camerounaise. Le terrain, c'est là où quand vous passez à l'aéroport à Douala, après l'échangeur, vous allez voir une barrière verte. Vous aussi, vous êtes mal à l'aise, monsieur. J'espère. Donc, calmez-vous. Buvez un peu d'eau, ça va aller. Bon. Cette barrière, c'est cette barrière qui a fait problème dans l'histoire de Madame Aman. Parce qu'ils ont gagné ce marché. Son beau-fils avait gagné le marché et le marché n'avait pas été réalisé. C'est eux qui avaient le concours et qui avaient gagné le marché pour sécuriser la zone aéroportuaire de l'autorité aéronautique. Chemin faisant, il a fait le travail pendant que sa belle-mère était à Kondengui. Parce qu'elle n'était pas seulement là-bas pour le paquet minimum, pour d'autres choses. Et aujourd'hui, on le dit que la famille soi-disant est propriétaire. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'ils viennent prendre les parcelles des gens qui appartient à l'État et deviennent des propriétaires par voie de rétrocession familiale. Alors, ça veut dire que l'État s'est trompé d'aller sécuriser la zone. Ayolo, parce qu'il est directeur du cabinet civil, demande à la femme Paul Ono. Paul Asumu, DG de l'OCDE, de donner cet espace à cette famille qui prétend être propriétaire. Alors, si vous étiez propriétaire, pourquoi alors l'État a sécurisé ce terrain? Alors, maintenant, qui est le pion? C'est Serge Mvula, qui est le commercial de Mvondo Ayolo. Vous qui êtes au Conseil national de la sécurité, Conseil national de la communication, suivez bien ce que je dis. Quand on vous dit que vous ne comprenez rien, et le chef de l'État est très remonté
les gens qui travaillent pour le pays. Vous pouvez faire ce travail, ce qu'on fait là. Vraiment, c'est terrible. Hein. Voilà. Bondo Ayolo, maintenant, on va envoyer son agent commercial. Qui dit que les 7 hectares 59, vous imaginez. Donc, ça veut dire que pendant qu'on a cassé de l'autre côté, on dit que la zone doit être débarrassée parce que les avions, quand ça vient, le kérosène tombe sur les toits et c'est pas bon. Donc, et s'il y a un crash, les populations vont être dissimées. Pendant que l'État est en train d'enlever, de chasser les gens, Bondo Ayolo prend sur son dos à travers Raoul. Voilà. Qu'ils aillent dire que c'est le terrain d'une famille. Vous imaginez ça? Voilà la preuve. Ayolo, je te surveille. Il y a des choses que je ne veux pas lire ici maintenant. Tu es petit. Tu es petit. Je suis le fils aîné d'un chef d'État. N'oubliez pas quelque chose. Faites attention. Parce que vous me voyez là, je suis là, Sem, je vous regarde, je ris. Mais attention. Là où mes pieds entrent, vous ne pouvez pas entrer facilement. Hein. Ce que je sais, vous ne pouvez pas le savoir. En ce moment, s'il y a des gens qui sont en train de pleurer déjà au quartier, que ouais, qui a alors dit, qui a alors provoqué le président, je protège les jeunes. Et vous n'avez pas le droit de mettre, faire de l'oppression contre les jeunes. Et quand un jeune n'est pas dans la dimension d'être protégé, je dis non, tu te trompes. C'est le cas des taux. Voilà. Ils veulent forcer la main au ministre en place d'aller créer un litige. Heureusement, ce monsieur est averti. Il dit, ok, quand vous dites que c'est votre parcelle, allez demander à l'autorité alors aéronautique de vous accorder cet espace. Moi, je veux faire le reste. C'est normal. Qui gère les terres? Qui gère les terres? C'est le ministre, non? Parce que le ministre trouve que c'est l'affaire là n'est pas claire. Voilà comment Ayolo manipule la République. Et il met le nom de la première dame devant. Ayolo, je te dis quelque chose. Que ça soit Jobet, je vous dis, le père là, je le connais. Attendez, vous allez voir. Vous allez confirmer. La vitesse qu'il y aura, vous ne pouvez pas. Parce que les choses qu'on fait là, je vous regarde, je ris. Regardez, c'est toi. Comment vous pouvez trouver quelqu'un, un chef d'État, avec toutes ses homologations, gère un pays, vous venez imposer votre fémania autour de cela? Parce que vous mentez aux gens. Vous mentez aux gens. Quelle est la première dame qui peut confier une affaire aux brigands pareils? Vous racontez n'importe quoi. Amourou Beninga avait dit ici qu'il connaissait le chef d'État après quand. Je n'ai même pas le mot. Oh, vraiment, je ne veux pas payer les impôts. On dit, allez. Oh, vraiment, comme tu vois là, je fais le fly. Même Atiba, il est parfois filmé là-bas. Il dit que non, il va voyager. Il met l'autocollant. Quand on arrive dans un service, on dit non. C'est le gars, il est puissant. J'ai l'impression que tout le monde dort déjà ici. Vous ne dormez pas, vous me suivez. C'est un faux sommeil. Bien. Ayolo. Je te tiens à l'œil. Tu as poussé le bouchon. Je veux t'amener à l'humiliation publique. J'assume mes propos. Et je parle avec des preuves.
Et personne ne peut venir me dire, donne-moi la preuve, tu es qui ? Je suis président d'un parti politique, je fais l'émission régalienne. 103.0 FM. Vous n'avez pas le droit d'oppresser les jeunes. Ce n'est pas du tout bien. Le chef de nous comptons sur la jeunesse pour la continuité. On ne peut que les encourager au prix du sacrifice. Ces jeunes se battent. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ils font des sacrifices. Si un jeune est à 1h du matin dans un studio, vous savez quelles sont les conséquences ? Pendant que vous dormez dans vos maisons, un matin vous vous levez parce que Sian a un celui de communication, Barba vient vous dire non machin. Voilà, quand vous suivez ça, vous l'avez aidé en quoi ? En rien. Il y a pire que ça. J'ai toutes les lettres de recommandation et les fausses lettres. C'est comme ça que Ndiaye a géré la République. Ici, alors, le chef d'État lui a demandé alors d'aller arracher les terrains. Le chef d'État lui a dit qu'il va arracher les terrains de l'État. Ndiaye se retrouve dans des choses pires que ça. Pire! Voilà alors ces gens de vous là, les tchombettes. Ça leur a aidé en quoi? Vous dites que vous êtes proche du sommet de l'État. Moi, je vous pose la question là où vous êtes là. Quel est le membre de votre famille qui est lié à Chantal Biya? Quel est le membre de famille de votre famille, de votre famille qui est lié à Paul Biya, chef de l'État? Même à titre d'amitié, simple. Quand je finis de lire les lettres comme ça, quand je passe le matin, je suis vous regarde de loin. Quand je vous entends, je dis, est-ce que le président, bon, là, mon ami, je suis ce qu'on appelle celui qui sonne le glas. Ma famille doit être protégée. Parce que demain, on va nous demander les états de service, comme je le dis tous les jours. Et je voulais dire à cette personne, même les architectes, n'allez pas comprendre. Les gars là sont très dangereux. Il faut faire attention. On va vous dire, faites le plan. Tu fais le plan, tu arrives, tu trouves seulement. Les gens disent que non, 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 pas ici. Il faut toujours aller à la source. Vous êtes dépassés, mais c'est la vérité. Donc voilà le comportement de Ndiaye. Voice Renew 103.0 FM. Quand tu as une relation avec quelqu'un, il faut savoir la protéger. Et quand tu n'en as pas, ne dis pas que j'en ai. On peut aller très loin, même à travers l'église qui est là, au quartier Fouda. C'est Asta qui est questeur de cette église. Et je sais quel est le rôle qu'elle joue. Je sais où l'argent part quand c'est les fuites des capitaux. Mais est-ce que tu t'es rendu compte que c'est bien le président Baola ou bien tu as cru que c'était le fantôme? Voilà les scellés des passeports de ton frère, de commissaire Yves Ayolo. C'est au parquet. C'est la délégation générale de la sécurité nationale qui le poursuit depuis plus de 2 ans. 103.0 FM. Vous êtes des gens normaux? Et tu l'envoies aujourd'hui aller contrôler les chantiers au village. Au vu aussi de tout le monde, le chef de l'État, on dit que non, voilà même des vidéos, voilà ça. Est-ce que là où aujourd'hui Yves est à ton service, il y a une autre affectation? Est-ce qu'il y a une autre affectation? Il ne faut pas penser que quand les gens pensent à la République de la paix, tout ce que vous avez fait contre le patriarche Mbarangele, je suis très au courant. Toi et Amougou, vous avez organisé les choses. Maintenant, regarde alors le calme. Le calme des patriarches quand ils sont restés. Quand vous êtes dans les viseurs, on vous voit partout.
Vous êtes des gens bizarres. J'ai entendu les gens. Un vision finance peut-il. Voilà, je vous ai dit et j'assume. Ayolo est le prédateur du football camerounais. Et le chef d'État, en ce moment-ci où je vous parle, ces documents où je parle, il est notifié, il connaît. Mais il n'a que ses yeux pour pleurer parce que vous imaginez ça? Ce monsieur est dans des histoires de football depuis, mais on a accusé le secrétaire général. Oh, c'est lui qui fait les marchés avec les enfants de la première dame. Oh, machin. J'ai des correspondances que tu as adressées dans certaines institutions pour le ciment, pour certaines choses. Est-ce que j'ai besoin de venir dire ça ici, petit Ayolo? Tu es petit, ton âge est vieux, mais tu es petit. On est moins. Quand tu tentes de toucher à un jeu, tu m'as touché. Je viens là, là je réfléchis même plus. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Tout le monde, même les gens qui te protègent, ils vont dire, c'est trop chaud. C'est trop chaud, voilà. Tu voulais faire les petites vantardises, oh machin. Te voilà maintenant, je n'ai même pas encore lu les un tiers. Hein. Je suis venu avec les albums. J'ai dit que non, je parle un peu seulement. Et ton fils suit l'émission en ce moment, il s'est caché dans sa couverture. Je vous ai dit que c'est eux les prédateurs. Je sais qui a organisé l'histoire, monsieur le Premier ministre. C'est Ayolo qui a demandé à Eto'o de demander les 14 milliards. Parce qu'ils ont voulu te faire peur. Parce qu'il dit qu'il est le neveu du chef d'État. C'est des conneries. Il n'est pas le neveu du chef d'État. Il raconte n'importe quoi. Et le doigt accusateur, quand j'entends les gens, oh, l'histoire du football, c'est Ngongo, le ministre d'État, et c'est la première dame qui donne les ordres dans ce pays. Voilà les documents aujourd'hui. Hein. On parle avec les documents. Donc vous imaginez que c'est le directeur du cabinet civil qui... Je dis deux dernières choses, on arrête. On va continuer plus tard. Vous savez, j'ai des problèmes ici. D'autres pleurent, d'autres demandent que j'arrête. On me fait les signes que non, c'est grave. Hein? Je vous ai dit, c'est un bon Ayolo. J'ai des correspondances avec les gens de la basse. Je veux lire tout ça, Ayolo. Tu ne peux pas toucher à mon père. Tu ne peux pas. Ce que tu crois là, tu ne peux pas. Je te maîtrise. Je maîtrise tout ton entourage. Je maîtrise même ceux qui sont les inquisiteurs. Je maîtrise. Le père là, il est le père de la nation. Hein. Prenez la nation, laissez-moi mon père. Parce que personne n'est d'accord que son père soit sous la poudrière des hostilités. C'est une honte d'avoir un collaborateur proche. Directeur du cabinet civil qui est dans des histoires de salissure. Même la dame là, avant moi, la DG de la politique, elle sait que le président Bahola est plus compliqué. Tu t'attaques à qui, à moi? Et dois-tu, je l'ai mis à terre. Tu sais combien de personnes? Et tu veux nous dire, c'est moi qui sors les dossiers. Hein? On ne t'a pas dit. Mais tu es venu, tu sors d'où? Tu sors d'où? Oh, c'est terrible. Hein? S'il y a 14 dossiers, 13, j'aime poser sur la table. Et avec des preuves. Vous allez faire comment? Vous allez faire la magie? Voilà. Autant de choses. Je voulais lire encore quelque chose, mais je ne lis plus. Je suis fatigué. Je veux continuer à lire plus tard. Je sais que tes amis ont honte. Ils ont fait une tentative. Chacun maintenant dit à Yoloreva, ta part là, tu voulais nous amener. Le couloir là n'est pas bon mieux. On démissionne. Hein? N'ayez pas peur au Conseil national de la communication. Je vais vous dire quelque chose. Le ministre Moutazé va vous envoyer vos budgets, vos émoluments. Signez Baonla, s'il y a un problème, voyez-moi. Je sais ce qui se passe. Personne ne peut vous mettre en chantage.
lui, Paul Moutard. Si je vous ai dit, je vous dis ça officiellement, si vous avez une difficulté, je peux intervenir même auprès du chef d'État, lui dire que non, il travaille. Je sais que vous avez peur que les émoluments, les salaires, les affectations, les frais de mission, ils vous trompent, il n'y a rien. C'est moi le boss. Je connais tout ça. Je sais là où ils font le chantage. C'est tout. Je voulais le dire comme ça. Le ministre, lui, Paul Moutazé, est en train de vouloir quitter le train. Ça, c'est très bien. C'est un bon choix de quitter le train de Ayolo. Parce que c'est lui le conducteur. Avec, comment les gens qui font les torches là à la gare, comme ça, ils font quoi? Le chef de gare. Il y a un chef de gare qu'on appelle Amougou. Il fait comme ça, bingela, bingela, bingela. Il faut rire un peu. On ne va pas rester toujours très sérieux, bingela. Il signale avec la lampe. Parce que tu sais que maintenant, il signale avec la lampe. On appelle ça arrêt en gare. Hein? Bingela, bingela, bingela. Donc c'est un peu ça. Vous savez, il faut faire rigoler les gens. On ne va pas rester dans cette osmose. Il faut faire détendre les nerfs. Soyez sûr, le Cameroun est en train d'avancer avec la renouveau classique du promoteur Paul Biya, qui est accompagné par son illustre épouse, Choubet. Choubet, tu n'es rien. Les six ministres qui sont là, tu n'as nommé personne. C'est le choix du chef de l'État. Et je voulais dire au secrétaire général du RDPC que les gens ne vous fassent pas le chantage. Après votre litige au jardin de Kariota, avec une dame qui a été montée par Amougou Belinga parce que vous avez refusé de l'intégrer comme membre du comité central, tenez bon. Vous avez compris? Mais sachez que Cabral Libye est l'ami de l'autre. Et votre fils est l'ami de Cabral. Vous comprenez que je maîtrise aussi. Je voulais simplement encourager comme ça le secrétaire général. Il y a un pasteur qui est en ligne encore. Pasteur, tu as quelque chose à dire? Pasteur, peut-être il est entré dans sa Bible. Bon, est-ce que... Bon, ok, il a dit au revoir déjà. Le train va entrer en gare, c'était une émission. Allô? Oui, mais Pasteur, tu as quelque chose à dire? Tu dis au revoir aux auditeurs télé numériques. Que Dieu bénisse tout le Cameroun. Que Dieu bénisse le couple présidentiel, toute sa famille. Et que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu grand vivant, essaye de transfigurer le corps de ceux qui ont la mission, qui Dieu a eu la mission d'accomplir le chef de l'État. Dans sa mission d'aider les Camerounais, ils essayent de prendre un peu conscience, de se remettre en question, car il n'est jamais trop tard. Maintenant, quant aux menaces et aux autres, ça ne sert à rien. Ça ne pourra jamais prospérer. Merci à tous les parents qui ont tout à l'heure accompagné les enfants à l'école. Merci à tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Que Dieu vous garde tous. Que Dieu nous garde tous. Merci, merci, merci. Très bien. Le pasteur nous a béni. Il a dit, mettez les menaces, vous les jeunes, vous devez être contents. Hein. Vous savez, le pasteur vous a béni, il a dit, continuez votre boulot, il n'y a pas de problème. Bien, nous on continuera toujours à apporter notre expertise dans cet espace en tant que parti républicain. Et mon regard qui est tourné du côté du Conseil national, prenez la bonne chambre, parce qu'il y a des chambres où il y a des alligators, faites attention. Je voulais simplement le dire, si vous avez des difficultés, je le répète, je vais intervenir pour que vous n'ayez pas ces difficultés. Je sais comment ça se passe, les manipulations, parce qu'on veut vous faire chanter. Le ministre des Finances est là pour mettre à disposition de l'argent et il est en train de se confesser. Nous verrons bien dans quel sens, mais la confession là, c'est de nous de ramener tout ce qui a été pris dans les caisses de l'État aussi. Hein, monsieur le ministre. Vous savez, c'est ça.
réalité. Mais depuis un temps, les paiements de hommes, on ne passe pas trop là-bas. Et puis au niveau de Quémonier, vous savez, Vision Finance a un compte d'interface là-bas qui est en train de se vider. Parce que on le tenait aussi en chantage. Maintenant le gars s'est détaché, il a fui, il n'est même plus PCA. La Mingela, vous c'est son beau-fils, c'est son beau-frère. C'est un peu ça. Le DG est allé au placard. Il est du côté de Chang. Il fait les champs là-bas. Il est du côté de Chang, je voulais bien préciser comme ça. Et au ministre Momo qui est devenu très calme vis-à-vis de nous, il devient sage. Il a compris que ici, sur Voice Radio, c'est pas la rigolade. Hein. Donc c'est un peu ça. Je voulais simplement dire que j'encourage mon ami personnel. Vous êtes au courant que Bonne Gouvernance a été acquitté, le professeur Oyono. Comment vous ne voulez pas parler de ça, pourquoi? Non, le professeur Oyono a été acquitté. Ça, c'est vraiment une appréciation à faire vis-à-vis du tribunal spécial qui a constaté la défaillance de l'accusation. Et je vous l'ai dit, c'est ça aussi les retributs judiciaires. Le ministre d'État en charge de la justice a son pas réglé. Le tribunal des pairs, le tribunal spécial, je n'oublie pas la Cour suprême, je voulais simplement le dire, c'est ça aussi la République. Et félicitations. Et je voulais dire à son épouse, que je connais bien, je ne vais pas donner son nom ici, je lui dis, vous avez vu madame, on finit par être content, votre mari aujourd'hui est devenu un leader. Et entretenir ce statut, parce que c'est aussi ça, la valeur d'un être humain. Il est passé par là, parce que c'est Dieu qui a voulu. Maintenant, il a du chemin à faire, continuer à le soutenir. Et à lui, je voulais lui dire félicitations. C'est quelqu'un qui est resté dans l'autonomie, hein, de la règle juridique. Il a dit, je reste, et par la volonté de Dieu. Et ma défense, je serai acquitté. Maintenant, s'il y a des choses, que la République soit reconnaissante. Ceux qui ont pensé faire un certain nombre de choses, je voulais le dire, vous avez vu, Dieu est la résolution. Bien, on va se quitter comme ça en musique, parce que c'est intéressant. Présent. Oui. On va se quitter, non, la diaspora, mot. Je veux dire au revoir. Je voulais dire un dernier mot à Sam Bindé. Il faut rendre l'argent aux artistes. La commission est quand même rien. Dont on a alloué la somme d'un milliard à 200 millions. Je sais que tu es ami d'Amour ou Bélinga et que vous avez les mêmes méthodes. Tu n'as pas le droit de ponctionner près de la moitié de cet argent et donner aux artistes comme Ekambi Brian la somme d'1 126 000 alors qu'il est très malade, de donner 200 000 francs à Matt Zambou qui est très malade. Je sais pas. Et les Beko Sade qui ont eu que 100 et quelques 126 000 pour ne pas être très précis, ce n'est pas normal. Le procureur doit se saisir de ce dossier. Sam Bende n'a pas le droit de voler l'argent des artistes. C'est un prédateur, comme son ami Jean-Pierre Mougou Bélinga. C'est le même Sam Bende qui a organisé la marche de soutien à Paris à Amougou Bélinga, où il disait que c'est le créateur des emplois. Or, ces emplois, on ne les a jamais vus. Et on les avait sommés ce jour de ne pas se servir du logo Télé-Sud. Ils avaient respecté et ils ont fait une marche de pourriture avec les chanteurs d'Haïti pour narguer le Cameroun et soutenir un voleur. Sam Bende ne vole pas l'argent des artistes. Il faut leur restituer leurs droits d'auteur. C'est ce que je voulais dire, président. Bien.
Je veux pas. J'ai des documents que je vais lire ici encore. Mais je voulais dire simplement au chef supérieur du canton Bel, ça, Jean-Yves Ebumbu, de la Mandabel. On a beaucoup de respect pour la chefferie, Bonandjo Pouzo, Bonandumba, Bonandumbe, Bonanduma, Boudjong. Je suis signé Son Altesse Royale Jean-Yves Ebumbu, Douala Mangabel, né le 12-05-56 à Paris, France. Numéro de CNI 115 37 89 80, délivré le 29-02 2012, LT, ça vous dit 16, du courage. Je reconnais avoir cédé à monsieur Mvoulasège ce jour par le présent certificat une superficie de 1000 km de terrain, non 1000 mètres carrés, pardon, 1000 mètres carrés de terrain selon plan pour récompense des actions menées en collaboration du docteur Didier Bidia pour l'obtention de l'accord préalable du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières en vue de l'amorçage des démarches des dossiers des titres fonciers. Cette superficie sera dégreffée sur le titre foncier numéro 1032W-A du quartier d'Ent, lieu dit Bois des Singes. Je décline toute responsabilité de droit de propriété après l'égalisation du présent certificat de cession, en foi de quoi le présent certificat est délivré pour servir, voilà ce que de droit. Fait à Douala le 2 mai 2022, l'acquéreur, le cédant, le chef supérieur du canton Bel, ça, Jean-Yves Ebumbu Douala Mangabel, autorité compétente, BP 27 Douala, Cameroun. Maintenant, on va de ce côté. Certificat de propriété numéro 2255 CP Yaoundé 10 Minkaf 5P 530. Le conservateur foncier du Vouri a signé le conservateur du Vouri a sous-signé, pardon, certifie que le terrain urbain bâti 6 à Douala, deuxième Nobel, au lieu dit Bois des Singes d'une superficie de 18 hectares, 98 à 20 hectares, objet du titre foncier numéro 10, 32 de la conservation foncière A du département du Vouri, établi le 20 octobre 2020, volume 06, folio 34, appartient à toute propriété à la collectivité de Dent, Bois des Singes, représenté par Tout Mouelé, Robert Émile, architecte demeurant à Douala, devenu le 30 janvier 1952, à Douala de Alfred de Wamin et de Mac S. Niran Esther, Mumbu Douala Bel, Didier, Camden François, Changa Marcinil. Bien. De tous nationalités camerounaises, pour avoir acquis pour l'immatriculation directe suivante demande en date du 25 janvier 2021, enregistré à la sous-préfecture de Douala 6e, le 1er février 2021, le dit titre foncier dont le duplicatum numéro 1 a été établi, est grévé d'une clause de dit d'inéliabilité conformément à l'article 2 du décret 84-311 du 22 mai 84. Le présent certificat est établi conformément aux inscriptions contenues dans le foncier à la requête de monsieur Ngoula 16 en date du 4 mai 2022 pour l'information. Douala le 5 mai 2022. Tu t'appelles Ngoula, non Ngoula. Faut aller refaire ton truc, voilà. Toute cette badigeonne que vous voyez, c'est au nom
d'Ayolo. Je continue. Bon, ok, allez. Have a nice day. Bonsoir. Nous nous remercions le Seigneur de nous avoir accompagnés pour la dédicace spéciale émission sur la 103 FM, la radio qui est leader sur le plan vocal, sur le plan télénumérique qui est leader. Que Dieu bénisse ces jeunes qui sont autour. Nous allons continuer à vous soutenir. Merci pour tous les auditeurs de l'attente et spécialement au couple présidentiel dont la dédicace a été attribuée ce soir à travers cette émission. Je n'oublie pas tout le parterre depuis Washington. Je n'oublie pas du côté de la France. Je n'oublie pas la Guinée équatoriale. Bref, tout le monde. Et Bayam Selami, tout le monde. Restez sur la 103 FM. Que Dieu nous garde. Au revoir et à la prochaine.